Sebastian pour vous présenter des... Grocery gang. Des grocery gang, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah des aliments pourris. Bah oui, bah bien sûr, des aliments pourris, mais qu'est-ce que c'est que ces choses atroces? Ah, c'est pour de faux, d'accord, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'on allait montrer des aliments qui étaient tout pourris. Mais bon, c'est un peu le cas, mais sauf qu'ils sont en plastique ceux-ci. Alors les loulous, vous connaissez peut-être pas, même sûrement pas, ces grocery gang. Pourquoi? Ça sort quand, loulou? Au mois de février. Et oui, au mois de février, donc là on les a en avant-première sur la chaîne. Donc ce sont des petits personnages comme ceci. Alors je vais vous expliquer un petit peu la petite histoire. Donc c'est une petite web série, donc un petit dessin animé sur, sur internet qu'on peut voir, qui raconte l'histoire d'un supermarché qui a fermé parce qu'il y a une autoroute qui est en construction, ainsi qu'un centre commercial. Donc il y a tous les aliments dans ce supermarché qui a fermé. Et en fait, eh bien... les aliments vont se retrouver à pourrir. Et ouais, ils vont pourrir. Ils vont pourrir. Et ça va donner vie à d'adorables, mais répugnants, petits personnages comme ça. Donc, qui ont la forme d'un aliment. Donc, c'est des petits personnages en forme d'aliment. Donc, ça peut être des parts de pizza, ça peut être des glaces. Vous allez voir qu'il y a plusieurs univers à collectionner parce que oui, on peut les collectionner, en plus on peut les échanger avec les copains. Et en plus de ça, on peut les mettre au bout de quoi? Des crayons. Et ouais, on peut les mettre au bout des crayons. Donc ça c'est cool, ça a l'air trop marrant. Alors apparemment il y a plusieurs formes, enfin plusieurs textures plutôt différentes. Donc il y en a qui sont comment, loulou? Mou, il y en a qui sont transparents, brillants dur. Et tout ça. Durs. Ouais, il y en a un peu plus durs, il y en a qui sont doux. Il y en a qui sont gluants, enfin il y a plusieurs textures. Ouais. Et il y a surtout plusieurs univers et plusieurs packaging possibles. Donc il y a d'abord le petit paquet qui est ici. De chips. Alors sous forme de paquet de chips, alors, je trouve ça très, des chips très original. Au fromage et au piment. Oui, alors je trouve ça plutôt original. Donc en fait là c'est un pack de 10. Alors il y en a 8 et 2 mystérieux comme vous voyez ici. Il y a 2 mystérieux. Et derrière, il y a tous ceux à collectionner. Donc, qui sont là. Nous y sommes peut-être pas tous. Et qui sont classés par univers différent. Celui-ci est sous forme de paquet de chips. Oh, il y a même la sauce au chili. Et là, on a une canette de soda. Alors, ouais, celui-là, je trouve vraiment le plus original. Alors là, nous avons la canette de soda avec trois à l'intérieur. Et toujours un mystère. Regarde, on est de l'autre côté. Se présente, c'est trop chouette. Écoutez. Il y a des mouches de partout. Ouais, c'est chouette, moi j'aime bien ça. Le packaging est trop et sympa. Et après, nous avons des petites barres chocolatées. Oh, ça c'est chouette aussi. Alors, bon, on les a pas encore ouvert, on sait pas à quoi ça ressemble. Donc là, on a les petites barres chocolatées ici. Voilà. Donc il y a deux grocery gang à collectionner à l'intérieur. Voilà. Et là, la machine. C'est plutôt chouette, moi je trouve. Et là, on a aussi la machine. Avec deux exclusives. La grosse machine de grocery gang qu'on va ouvrir tout à l'heure. On va la découvrir avec vous. Donc apparemment, on peut les faire sauter. On peut les faire couler. Dans des verres. On peut les enfermer dans le placard. Et il y a deux grocery exclusifs. Donc là, c'est marqué derrière. Il y a des petits verres. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec. C'est marqué derrière la boîte. Voilà. Là, c'est un peu gluant. Plop. Ensuite, la cups, on peut mettre dans les coupes de glace. On peut faire plein de petits jeux et on peut tous les mettre dans la grosse coupe et les faire descendre comme une glace là. Ça a l'air trop chouette, on va ouvrir ça après. Bah ouais, c'est trop genre, vous venez les gars, il y a tout ce qui arrive d'un coup. Alors les loulous, je pense qu'on va passer à l'ouverture, non? Ouais, on ouvre d'abord la machine. Vous voulez ouvrir d'abord la machine? Ouais, je ouvre d'abord ça. Bah écoutez, bah Corentin va ouvrir la machine et puis aussi Anne va la... Non, ça? Bon, bah alors, d'accord. Bon, bah la barre chocolatée alors. Parce que la machine, au moins, ça sera fait. Parce que la machine. Ça y est, la machine est sortie? Oui! Waouh, elle a l'air trop cool cette machine! Ouais! Voilà. Super! Super? Ouais! Tu peux voir à quoi ça ressemble? Ici, il faut filmer l'arrière, il est super! L'arrière est super? Ah oui! Alors, regardez, les amis, à quoi ça ressemble? Regardez! Il est super dégueu! C'est le bar chocolaté! Qu'est-ce qu'il y a, ma loulou? En fait, à l'intérieur, il y a les sachets. Regardez. Ah oui, Océane, elle est ouverte. Oh, fais voir. Oh, trop chouette. Oh, j'adore.
Regardez la barre chocolatée qu'on sert à l'envers. Alors, c'est carrément une boîte chocolatée, une boîte en forme de barre chocolatée, une boîte chocolatée. Au intérieur, il y avait deux petits sachets mystères qu'Océane est en train d'ouvrir. Et là, je vais vous montrer la petite machine quand même. Pardon. Qu'on a ouvert. Donc, elle se présente avec. Ben là, il y a un petit levier. Alors, je sais pas trop à quoi elle ressemble. À quoi ça sert, quoi. Quentin va nous faire une démo, je pense. Ah, on a un autre levier. On a eu un mou. Un gros verre. Et ensuite deux petits verres avec une petite porte. Ben Loulou, tu peux peut-être faire la démonstration, toi. Je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à un. Ah oui, et derrière, je vous ai pas montré parce qu'on m'a dit de vous montrer l'arrière. Alors attention, alors derrière, voilà. Donc ça se présente comme ça, donc on voit vraiment. Super dégueu. On voit là les tuyaux, enfin tout le mécanisme, on va dire, le système du frigo. Là, c'est le gros pot qui dégouline. Et là, donc c'est plein de détails. Et ici, c'est la machine soda, je crois, ou glace, qui dégouline un peu partout. Donc voilà. Même l'arrière est plein de détails, donc c'est trop trop chouette. Même là, on a plein de petits persos, c'est trop trop chouette. Alors comment ça marche, Loulou? En fait, maman, regardez, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être une petite tarte. Et il est mou. T'as eu un mou? Oh, alors Océane, elle a déjà ouvert ses petits groceries. Et là, il y a un tout mou. Il y a un tout mou qui ressemble à, je sais pas, je pense, une pizza. C'est une pizza, ça, hein? Oui, non, c'est une tarte. C'est une tarte? C'est une tarte. C'est une pizza. Oh là, je vois pas. Une tarte. Ah, je sais pas. De la farine. Et de la farine? Qui est mou. Qui est toute molle? Oh, elle est trop sympa, la texture. T'as déjà vu une pizza avec des bords rouges? Ah non, ça, c'est de la glace, Océane. Ou du. Non, ça yaourt. Ça yaourt périmé. Et un autre périmé, tout mou, tout mou, tout mou. Donc, on a eu aussi deux figurines exclusives dans sa machine. Alors, Océane, apparemment, est en train de les ranger dans le frigo. Alors, j'ai rangé. Voir ce que ça donne. Voilà. Alors, fais voir, ma loulou. En fait, elle est toute. Attends, parce que moi, tu vois. Pas grand-chose. Voici ce que ça donne. Fais voir le violet. Tu peux le voir. Ah, ils sont rangés à l'intérieur. La vitre, oui, elle est toute cassée. Ça risque pas de réfléchir. Ah, ils sont un peu gluants. Ah, ils sont gluants? Un peu. Oh, fais voir ces immondes. Ah oui, c'est bizarre. Ah ouais. C'est bizarre. Voici le premier. C'est bien dit qu'ils sont exclusifs. Eux, ils ont tout. Il est transparent, ils sont trop beaux en tous ils les cas. Ils sont un peu doux. Ouais, il a des paillettes. Et tout. Moi, en fait, lui, il a tout, les deux exclusives. Et c'est une boisson. C'est un soda. Attention, focus, voilà. C'est un soda ou une glace, je sais pas trop, je pense. Voilà. Moi, je vais me faire mon verre. Moi, je vais me faire à boire. Et tu as un violet, fais voir le loutre. Il est trop beau le violet, hein. Je pense que ça y est, vous êtes. Oh, il est rigolo. Ça aussi, je pense que c'est un milkshake en fait, ou une crème glacée, transparent aussi. Comme ça. Avec ouais, des petites paillettes. Alors, comment ça fonctionne cette machine? Bah, moi, je vais me faire un verre. Tu vas te faire un verre? Là, vous mettez le glacé, vous mettez ça. Je vais mettre un ingrédient dedans. Vous allez. Voilà. Oh, plouch. Il faut tenir le verre, je crois. Ouais. J'ai bu. Alors moi aussi je vais attendre. Mais dis pas. Moi je vais me prendre de la limonade, tiens. Je vais mettre il a coulé dans le verre. Oh, il a coulé dans le verre. Moi je vais prendre du jus d'orange. Je bois un milkshake. Moi je prends du jus de raisin. Et alors, vous pouvez en mettre plein là-dedans, dis donc. Oui, du jus de raisin je veux. Voilà, du jus de raisin. Ah, et là, je vais me le mettre au frais. On peut. Hop. Voilà. Et là, je ferme et ça va. Et là, il a une autre particularité. Vous enlevez le dessus et là, vous le mettez là. Ça va faire comme. Attends, Loulou, ton frère va essayer de nous montrer quelque chose. Loupé. Ah, il faut marquer le point. Ah, ça, c'est cool. Ça fait un challenge, tiens. Bravo. Ah, on peut faire un petit challenge avec ça. Tiens, ça peut être sympa. Ah, c'est trop chouette. Mais là, moi, je suis super fort, c'est facile. Et là, Océane, t'essayes de faire un panier? Non, maintenant, on ouvre les... Ah, toi, tu ouvres les autres, hein. Encore alors. Merci, tu ouvres les autres. Ouais. Moi, je prends la canette. La canette? On les met tous dedans, petit à petit. Oui, bah, si tu veux, on les met tous dedans. Et après, ça va faire un jeu énorme. On les met tous dedans. Tu vois, ça va faire un... Alors, Océane est en train d'ouvrir la petite canette. Alors, déjà, on a eu une pizza. Je pense que c'est pas, je sais pas trop. Hein. Mais non, il y a pas un petit flyer avec pour savoir les raretés, les. Si, mais. Oh, j'en ai fait sauter un. Oh, t'en as fait sauter un.
Alors il y en a plus de 150 et c'est à partir de 5 ans. Donc Océane a pile poil l'âge, donc c'est cool. Et là on a tout le flyer avec les tomates, avec toutes les particularités. Donc celui, il y a une édition apparemment, il y a l'édition fréquent, les fréquents rouges. Les bleus ce sont les rares. Les verts ce sont les éditions ultra molles, super molles. Et les violets sont les éditions spécialement collantes. Et les oranges, ça saute de partout les amis. Et oranges, nous avons une finition métallique qui doivent être ultra rares. À mon avis, c'est des éditions limitées. Alors voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne vais pas tous les citer hein, parce qu'il y en a 150, voire plus. Parce qu'après, il y a encore les versions exclusives. Et voilà tout ce qu'il y a encore derrière. Donc il y en a beaucoup, beaucoup à collectionner. Alors je sais pas si on va avoir des doubles aujourd'hui, donc on va tous les ouvrir. Regardez, déjà il y en a à montrer là. Ouh là, il y en a déjà une paire de pizza. Alors attendez, parce que vous avez fait sauter. Ils en ont fait sauter partout. Ah, là il y a le mystérieux. Alors là on a. C'est bien dit, à mon avis il va sauter de partout lui. Un tout mou, une paire de pizza. J'aime bien lui. Oui, il est rigolo celui-ci. Il est tout mou. Ensuite, j'aime bien la texture, elle est sympa. Ensuite, alors ça, je pense que c'est tout mou. Un gâteau, un cookie, je sais pas, on va voir après, on va les classer par Arte. Après, on va faire un petit briefing. Ketchup. Une petite sauce. On les met dedans. Une petite sauce. C'est ketchup. Donc, je pense qu'on va tous les ouvrir et qu'on va faire des groupes. Non, les loulous. Ça. Ça, c'est une boîte de conserve. On les met dans la machine ou on va tous les faire sortir? Oui, bah tu peux tous les mettre dans la machine. J'ai fait ça. Paquet de chips. Là, on a un donut au chocolat. Oh, trop mimi. Ah, j'adore. Petit donut. On les sort tous. Couch. Petit donut. Une petite tarte. Une petite... Enfin, je pense pas que ce soit une tarte. Si, il y a les bords. Il est un peu plus dur. Il y en a qui sont plus smooth que d'autres, effectivement. Du sel et du poivre, je sais pas. Donc, ketchup et mayo, sel ou poivre. Hop. C'est juste horrible, mais c'est trop mignon en fait. En fait, c'est horrible et mignon à la fois. Moi, un poulet. Oh, il est trop marrant le poulet, j'adore. Ouais. Oh, le petit poulet. Oh, il est trop bon. Il est rigolo. Excellent. Un donut encore. Un donut, tu es sûr que c'est un donut ça? Oh là là, mais je mangeais pas ça. Ah, lui il est vraiment rigolo. Un petit pilon de poulet. Là, tout mou. Ouh, ah, on a eu un gluant transparent. Oh là, ça colle ça. Oui, ceci colle. En voilà un petit cœur. Je sais pas ce que c'est. Ça doit moi aussi j'ai eu le même. Sauf que ça a un sachet de. Ah, il colle ceci. Ah oui. Et c'est un bonbon collant. Ah bah oui. Ce sont les bonbons collants. Voilà pourquoi ils collent. Alors, un petit bonbon courant. Ensuite. Et là, il y a tout ça que j'ai eu. Ah, du fromage. Oh, bah dis donc, tu les as tous sortis. Donc, des frites. Du fromage un tout petit peu pourri. Un croissant. Il y a un fromage qui est un tout petit peu pourri. Un fromage un petit peu pourri. Oula, mais vous en avez beaucoup. Hein. Je pense que c'est un baquet glaçon. Je suis pas sûre. On va vérifier après. Oh, elle déborde de la machine. Du ketchup ou de la sauce un peu dégueu. Un fromage pourri. Ça, t'as montré. Ça, c'est quoi? Du popcorn. Ben oui. Je ne mangerai pas celui-là. Ça, c'est quoi ça? On peut plus mettre de bonhomme dans la machine. Alors là, je sais pas. Vous savez ce que ça peut être, les loulous? On peut plus mettre de bonhomme dans la machine. Une mousse à raser, un truc comme ça. Parce ça ne fait pas partie des aliments, mousse à raser. Je sais pas. Un doux. Une citrouille toute douce. Oh. Et dure. Mais ça. Oh là, ça doit être un ultra rare, ça, je pense. Oh, regardez, les amis. Il est trop beau. C'est une petite citrouille. Toute douce. Mais elle est dure, en fait. Mais elle est recouverte d'un espèce de velours au-dessus. Je pense que c'est un ultra rare. Ça va, Loulou. Alors, je sais pas ce qu'elle fait, Océane. Deux fois, la pauvre terre. Je sais pas ce qu'elle fait. Et ensuite, ah, vous en avez d'autres à ouvrir? Oh, mais désolé, mais on n'a pas de. Ah, bah vous en avez beaucoup là, hein. Je pense que ça entrera pas tout dans la machine. Hein. On va en poser à côté, hein, sinon. Hein. Bon, on va les poser à elle est belle. On va les poser. Oh, elle est restée collée sur la table. Oh, ça, c'est encore un bonbon qui fait un bisou. Parce qu'on il vous fait un bisou, mettre. Les amis. Tout collant. Regardez. C'est rempli, on va les coller.
Oh là. C'est un bonbon collant. Et pour Océane, alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste deux mystères. En combien t'as déjà ouvert les mystères? Ben oui. Et dans les mystères, t'avais celui qui avait du velours? Ah oui. C'était mon tout premier mystère. Ça et fait dans... des cages. Ah oui, fais voir. Ça fait des cagettes. Alors regardez les loulous. Oh, mais c'est cool, on peut les empiler. Ah, et en plus, on a les cagettes pour ranger les aliments dedans. Ah, on en a deux cagettes. Et on peut les empiler. Oh ma punaise, on va se faire prendre. Voilà, donc là, on peut les mettre comme ça. Et vous pouvez ranger d'autres groceries à l'intérieur. Et dans la barre aussi, vous pouvez en ranger. Ah oui, on va faire des colis qui partent en Chine. Ah voilà. Waouh, il est trop beau. On dirait un fantôme. Hein. Oh, mais il est tout mou, on dirait vraiment très mou. Il est tout collant. Hop. Oh, oh, il est chouette. Oh, il est vraiment mou, il est vraiment collant. Alors, je pense que ça fait partie des bonbons collants. Il est tout mou, il est tout collant. Il est trop, trop beau. Tiens, mon chéri, tiens. Hop. Et pour le dernier, attention. Encore un doux. Oh, encore un doux. Je crois qu'on a eu deux ultra rares, hein. Non? Enfin, je sais pas, on va marquer. C'est une tomate. On va voir ça. C'est une tomate, t'es sûre? Tomate. Non, c'est pas un bonbon. Non, c'est un abricot, Loulotte. Regarde, Loulou. Regardez, les amis. Un dur et tout doux. Il est tout doux. Corentin, regarde celui-ci comme il est beau. C'est un abricot. Un abricot, oh. Regarde, tiens. Il est trop beau. Trop, trop beau. Ça y est, vous avez tout ouvert? Mais tu veux le manger? Non, je vais pas le manger, non. Ouais. Non, pas du tout. Ça y est, vous avez tout ouvert? Attends, mais je vous... Sinon, on peut pas. On peut pas. Ah, ça y est. Quand on est en train d'essayer de faire un repérage, savoir qui est qui. Je vais en faire tomber un. Toi, tu vas faire tomber un? Attendez, d'abord, je le fais tomber. Alors, tu te sers à boire, Louloute? Ouais. Et tu t'es servi quoi? Mmh, un yaourt périmé. Miam. Mmh. Mayo, c'est pour moi? Moi, je vais boire. Corentin, je vais boire un yaourt périmé. Un yaourt à boire. Un verre. Non, un côté qui part pour la Chine. Chérie, j'ai tout bu. Non. Bah, si. Je t'entends pas mal. Non, non, j'ai tout bu. C'est là? Oh, bah, j'ai tout bu. Non, tu vois? Non? Tiens, j'ai une. Ne les mangez pas, les amis. Surtout, ne les mangez pas. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir. Hop là, il est resté collé sur la table rose. Part de pizza, tu vas partir pour la Chine. Tu vas faire partir une part de pizza pour la Chine? Oui. C'est un Chinois qui a commandé ça. Et une citrouille pour l'autre. Voilà. Une part de pizza pour la Chine. Et une citrouille. Rares, on va savoir parce qu'on connaît pas trop tous ces petits personnages. Alors à tout de suite. On commence avec la famille des snacks nauséabonds avec le pop-corn. Ensuite nous avons un biscuit fourré, une chips ondulée et un cracker. Alors tous ceux-ci sont communs. Nous avons ici un seul petit grocery gang pour la famille des articles de toilette pourris. Alors ça c'est une crème hydratante pourrie. On continue avec la famille des sauces, avec en commun le tomato ketchup, en fait sauce tomate, le sel, le poivre, et en rare on a eu la sauce chili. Alors c'est celui-ci, le rare. Nous avons pour la famille des produits surgelés, décongelés,
trois rares qui sont la pizza surgelée, le poulet et le plateau télé. Pour la famille des pâtisseries pourries, nous avons un donut, un croissant et une pile de pancakes qui sont tous les trois communs. Et nous avons un rare qui est un bagel. Voici le bagel, il est là. Voilà. Dans la famille des produits laitiers tournés, nous avons en commun un yaourt à la myrtille et un fromage qui pue. Dans la famille des fast-food rance, nous avons une part de frites, une part de pizza, qui sont tous les deux communs, et pour le rare, nous avons un pilon de poulet. Pour la famille des sucreries collantes, nous avons un bonbon mou, ensuite un petit paquet de bonbons, un jelly beans, et un bonbon en forme de cœur. Alors ceux-ci font partie d'une série spéciale qui est une série ultra collante. Donc ce sont des grocery gangs très très rares. Et nous avons eu la chance d'avoir des ultra rares, on va dire, qui font partie des plus rares, qui sont dans les légumes moisis. Donc ce sont des finitions ultra moisies, donc toutes douces, avec une tomate et une citrouille. Alors, ils sont trop beaux ceux-là, mais ce sont mes préférés. Hein. Et vous, c'est pas vos préférés? Oui. Ils sont trop beaux. Ouais. Les loulous, est-ce que ça vous a plu? Oui. Est-ce que vous en voulez d'autres? Oui. Oui. Ouais, bah, il va falloir attendre le mois de février alors. Oui. Bah oui. C'est pas si loin. Alors, on attend avec impatience la date de sortie pour compléter la collection. Ça a vraiment plu à Corentin Océane, moi aussi. Ouais, moi, oui. Je trouve ça trop mimi, même si ce sont des aliments moisis. Hein? Bah oui, mais au moins, on les en a en première. Ouais, c'est trop bien. On a pu les tester, les voir. C'est trop, trop bien. Alors, les amis, nous, on attend la suite. Bah, on attend vraiment que ça sorte dans le commerce pour pouvoir compléter la collection. Dites-nous d'ailleurs si vous voulez une autre vidéo quand on... quand ça sortira, si vous en voulez d'autres vidéos, oui. Qu'on vous montre ce qu'on a attrapé, ce qu'on a collectionné. Attrapé. Dites-nous-le dans les commentaires. Oui. Allez loulou, dites-nous dans les commentaires quel est votre préféré. Si ça vous donne envie de les collectionner. Nous on va vous laisser, c'est la fin de la vidéo. On va vous faire des gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Vous laissez un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao ciao, amis. Bisous.